Salut à tous, c'est Megiddo, nous voici donc pour Project Laydown, sorti en 95 sur PlayStation. C'est un portage du jeu arcade. Et comment dire, c'est une compilation de donc The Project Laydown 1 et Project Laydown 2. C'est des shoot'em up, oui, ça fait un bail que j'avais pas fait de shoot'em up, et je me dis tiens, je vais faire un petit shoot'em up, et donc je vais essayer de prendre The Laydown Project. Pourquoi tu prends. Bon, je suis comme beaucoup, hein. On va faire un. Donc on va regarder un peu donc dans les options. Dans les options donc on a les options verticales machin. Ou en fait on a donc différentes réglages, c'est pas mal. On a aussi pareil pour le score et les bombes. Voilà. Donc on sort. Option des musiques, on a soit original, soit remixé. Je vais rester original, je connais pas. D'ailleurs, c'est un shoot'em up que je connais pas, ça fait un bail que j'ai le disque. Je l'ai trouvé par hasard. Vous voyez, le disque comme ça, un disque PlayStation qui traînait comme ça dans la rue, j'ai trouvé. Et le disque, il allait nickel. Donc, difficulté, je vais mettre en lieutenant parce que je connais pas trop bien les jeux. D'ailleurs, je sais pas si je fais avec le 1 ou les deux en même temps dans la vidéo. On verra bien. Après, donc, les contrôles, voilà, c'est simple, d'accord. Ok, donc on est revenu en arrière. Donc on peut choisir donc soit le premier, soit le deuxième, donc on va lancer le premier. D'ailleurs je sais même pas de quel. D'ailleurs ça c'est. J'ai remarqué c'est que c'est des jeux qui sont pas émulés sur MAME. Enfin. Il y a Raiden tout court, mais Raiden Project, j'ai pas trouvé, c'est toujours en rouge. Et voilà, on est parti. Donc c'est un jeu qui date de 90. Ok. C'est parti. Ah, d'accord. Et on décolle. Moi j'aime bien les jeux, les shoot'em up. Ça fait un bail que j'avais pas fait de vidéo dessus. Bah faut dire que généralement je les faisais sur MAME. Voilà, moi on a une touche auto fire, ça c'est bien. Allez hop. Ah, j'aurais peut-être pu prendre une difficulté un peu plus élevée parce que là je vois qu'il y a carrément pas de. C'est pas nombreux les ennemis à l'écran. Hein. Un nouveau tir, ça c'est bien. Ah ouais, ça c'est vraiment un shoot'em up à l'ancienne. Ah, j'adore les. Ça me rappelle assez les Aero Fighter, voilà. Et leur nom en Jap c'est Sonic, je sais plus quoi. D'ailleurs, vous avez fait la version Nintendo 64 qui était pas terrible. Mon avion passait plus de temps dans l'eau que en l'air. Voilà. Allez hop. C'est con, moi j'adore les shoot'em up, pourtant je n'ai pas des masses. Faut dire que c'est souvent des jeux qui sont assez durs à trouver. On en a rarement en France qui sort. Faut souvent aller vers la porte. Et des fois les rares qui sortent coûtent une blinde. Hein. Je pense à Ikaruga sur GameCube. C'est un jeu qui coûte une fortune. Mais bon. Ça fait rien, de toute façon au pire j'ai la salle d'arcade, la Aikido valide où ils mettent souvent des shoot'em up et ça c'est classe. Allez hop, lumière rouge, je vais essayer de faire que des armes rouges. Ah, moi dans les shoot'em up je suis pas très comment dire. Je suis pas très stratégique hein, parce qu'il y en a par exemple on peut augmenter des points en fonction des couleurs tout ça dans certains shoot'em up. Moi je m'en fous, hein, je vous dis tout ce qui vient. Oh, je suis quand même plutôt bon. Hein. Pour un shoot auquel j'ai jamais joué, j'avais juste vérifié que le disque passait. Allez hop, crevez tout saleté. Et haut bonus, et haut bonus. Ah c'est une bombe carrément. Et là on va voir que ça ressemble à une bombe. Ça a l'air pas terrible. Ah, je suis assez déçu de la bombe. Oh, le piège. Ah, écoute, j'ai augmenté. Ah, la musique change, ça va être bientôt un boss. Ah, les musiques sont bien. Ça, j'avoue, j'adore, c'est quand les shoot'em up ils nous sortent des bonnes musiques.
D'ailleurs, faudrait que je regarde dans les compilations Capcom si j'ai pas des 3 sous des meubles encore, j'aurais pas encore fait en vidéo. Là, c'est qu'il faudrait vraiment que je fouille un peu mes compilations jeux. Voir les jeux que j'ai pas encore fait dessus. Pas surtout aux compilations Capcom. Bon, comme c'est un boss, je vais lancer mes bombes. Au moins, je peux être tranquille. Allez. Wow. J'espère que c'était le boss final. J'espère que vous entendez encore ma voix, parce que même en mettant le son, j'entends quand même l'explosion assez forte. Hein. Ah ouais, premier niveau terminé. Ah, oui, je sais, pour moi qui ont peut-être du livre comme quoi, j'avais pas sur ma page Facebook que je voulais faire une, un walkthrough à long play d'un jeu, mais finalement j'ai laissé tomber par manque d'envie et manque de temps. Surtout que j'ai essayé le... les machins, les Clock Tower, et finalement je préfère attendre un peu que je connaisse bien le jeu avant de faire une vidéo dessus, parce que oh, et ouais, je papote et je me fais shooter. Ouais, on va essayer de prendre le rayon bleu, voilà. Oh non, je me suis fait avoir. Oh, dès qu'il y a beaucoup d'ennemis quoi, il y avait personne au niveau avant, et là maintenant c'est bourré de partout. Et c'est quoi ce que je viens de récupérer? Par contre, j'aime bien quand on a shoot them up, c'est qu'on peut choisir son vaisseau au début. Là, on nous impose un... Je vais essayer de prendre le bleu, allez. Parce que ça vaut... Putain, je sens que je vais avoir un méga rayon laser si j'arrive à monter au niveau de l'arme. Allez hop. Pour une fois qu'on a bien tout nettoyé, ça passe tout seul. Oh, c'est quoi ça, le H? Enfin, le M ou... Ah, c'est un turbo, j'ai l'impression que mon vaisseau est deux fois plus long qu'avant. Ah, une bombe, alors je vais la... Ah merde, il m'a eu. Ah, je suis pas prêt de booster l'arme bleue. Hein. Ouais, comme je disais, j'aime bien, moi, là, quand on a shoot des maps, on peut choisir son vaisseau au début du jeu. On nous en propose plusieurs, et ça c'est classe. Et là, ben, y a pas le choix, hein. On prend ce qu'on a. Allez hop, on dégage. On va tout dégager. Ah, il manque encore, il pas. Oi, 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 je crois que je... Je peux... J'ai même pas de continuer. Ah. Bon, on va faire non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir si je peux aller... retour... Play, voilà. On va jouer, on va essayer le 2. Oh. Voilà. Hop, ça cherche dans l'émulateur. Où est le... Parce que je suis sûr qu'en fait, c'est le disque. C'est juste un émulateur avec les deux jeux dessus. Non, je comprends pas pourquoi il est toujours... Les Red Dead Project sont toujours pas émulés. Hein. On verra ça plus tard. Donc voilà, temps de chargement. Et on va t'attaquer aux deux. Il n'y a pas l'air si différent du 1. Et c'est parti. Moi ouais, j'avais. J'hésite entre. Après, je suis Striker 1945-2. Qui se rapproche plus d'un 1900 de Capcom. Ah, les musiques elles sont géniales celui-là. Ah, je suis surpris. Ah, sérieux. Ça fait pas musique. Ça fait plus musique RPG que musique de shoot'em up, mais putain les classes. Ah, ils sont améliorés au niveau des bruitages tout ça. Ah, on voit la différence. Graphiquement ça reste à peu près la même chose. D'ailleurs je vais même pas regarder quelle date de quelle date était le 2. Mais bon, vu que je dis que date de 95, il doit être donc en... et que le premier date de 90. Je dirais qu'un Vidney doit dater de allez, 92 ou 93. Ah c'est bien ça quand on voit les vaisseaux qui s'écrasent. Ah il a l'air génial comme... Comme tu disais.
Alors je vais essayer de prendre les armes bleues pour voir ce que ça vaut. Elle est géniale la bande son. Je vais essayer de voir, écouter sur internet si je trouve les autres musiques des boulots. C'est sérieux. Oh merde, j'ai fait un peu le con là. Oh merde, j'ai repris Allez, Crevetos. La bombe a changé ou quoi? Bon, vous vous touchez aux explosions, ça reste toujours aussi merdique. Ah, c'est décevant. Violet? C'est quoi ça, rayon violet? Ils ont rajouté un... Oh purée! Une arme à tête chercheuse qui fouette tout l'écran. Génial! Ah, ce rayon est génial. Ça fait un petit peu... rayon... non, non. Je veux revenir violet, je veux revenir violet. Je veux savoir s'il y a un autre niveau. Remettez-moi le violet, remettez-moi le violet. Allez. Non, il n'y a pas de niveau supérieur. L'arme est à fond. Purée, mais c'est quoi ce truc? C'est génial. Alors ça, c'est un ajout dans le 2, mais c'est génial. Ah, ça me trouvait le boss direct avec ça. Hop, en plus ça me fait une bombe, génial. Ouais, mais... Bon, c'est un peu une redite, hein. J'ai l'impression de voir le même boss. Une dernière. Ah, ça l'a toujours pas tué. J'ai eu. Bon, on n'est pas encore au niveau d'un maniaque shooter, mais bon. Ça reste quand même. Ah, il y en a un deuxième derrière. Oh purée. Allez, bruitage de tourelle et tout quand même. Ah, ce rayon est génial. Ah, ils ont fait de ces armes, mais là. Oh merde, je me suis fait eu, comme dirait l'autre. Oh non, non, je me suis refait eu. Allez hop, hop, hop. On va rejouer encore un peu. C'est assez court. Mais sérieux, le 2, il est génial à côté du 1. J'ai bien aimé le 1 quand j'ai joué, mais sérieux, le 2, il est encore mieux, quoi. Ah, mais ce rayon laser de la mort qui tue. C'est quoi cette bombe jaune? J'ai 5 bombes rouges, une jaune. C'est quoi la différence? Oh, purée! Oh, génial! Oh, encore une nouvelle arme! Ah, mais hey, je vais être surpris en surprise avec cet épisode. Ah, ça fait un bug que je m'étais pas fait un shoot. Mais alors, putain, celui-là, il déchire. Je connaissais pas la salle des Raiden. Et alors là, je peux dire que... Ah, ça y est, hop. Le rayon est reparti. Ah, il est encore plus gros que tout à l'heure. Oh, mais purée, le machin, il est trop plus grand. Ah, c'est génial. Ah, je m'éclate avec ce jeu. Allez. Elle détruit tout, mais sérieux. Faire un tel rayon dans un shoot des meufs, c'est génial. Allez, deviens violet. Je veux pas perdre mon rayon. Allez. On va tout griller. Faisons gaffe à pas se faire shooter. Oh non, je ne peux pas voir. Ah, j'ai eu un bombardement. Par contre, son arme bleue, c'est un peu dommage. Je kiffe l'arme violette. Allez. Soute-le. C'est pas un boss, il faut pas pourquoi pour faire des trucs solides. Allez, mais crevez tout saleté. Ah, je me suis encore fait avoir. Oh, quel con. Moi, j'ai perdu mon bombardement.
Elle est vraiment flinguée ce truc. Il me propose quoi là? Allez. H. Non. C'est... Moi je sais pas ce que ça donne ce bouton. Tiens, je suis revenu. Revenons de tout petit. Allez, crevez tout saleté. Allez, violet, violet, violet. Alors, rayon est augmenté. Ah mais oui, génial ce jeu. Un coup d'un bombardement. Un M, je sais pas trop ce que c'est. Vite, violet. Allez, crevez toute saleté. Pourquoi j'ai plus aussi gros que tout à l'heure? Ah, c'est vraiment un shoot'em up comme j'adore, quoi. Ah, c'est bon, j'ai tendance à préférer les shoot'em up horizontal plutôt que vertical. Ah, j'ai tendance à... Je commence à mélanger les deux dans ma tête, mais bon. Bah, ceux qui sont allongés, quoi. Allez, hein. Allez. Je l'ai eu. J'espère que c'était le boss. Du coup, il y en a un deuxième derrière. Ah. Y'a plus personne. Ouais, super. Ah bah, niveau déterminé. De toute façon, la prochaine mort, j'arrête. En plus, on peut jouer à deux. Je suis sûr que le joueur 2 a un des taureaux bleu. Voilà. Non, bah, ça faisait un bail que j'avais pas fait de vidéo de jeu, donc je me suis dit... Je vais me faire un... Un petit shoot comme ça. Ouais, parce que vous avez remarqué, en ce moment je suis de moins en moins de vidéos. C'est pas par manque d'envie, c'est par manque de temps en fait. Et souvent le soir je fais pas mal de trucs et donc le temps que je me rends compte de l'heure qu'il est, ben j'ai plus le temps de faire une vidéo quoi. Et j'ai plus tendance à me consacrer à mes autres types de vidéos qu'à réellement mes vidéos tests. Vous voyez comment ça devient vraiment secondaire dans mes vidéos. Je préfère me consacrer à mes savoirs, mes vidéos en tout genre. D'ailleurs, j'ai pas mal de projets de vidéos prévus. Faut vraiment que je me mette à bosser dessus. D'ailleurs, je suis tellement souvent là, à côté de la plaque que des fois je me cours dans les dates et je me rends compte que quand je tourne des vidéos. L'événement en question est déjà passé depuis belle lurette. C'est pour ça que j'avais pas fait le Godzilla en vidéo et tout comme ça. Et que... j'espère faire mon prochain savoir sur les tortues ninja si j'ai le temps. Voilà. Allez. Hey, il part derrière, salopard. Ah, le salopard. Bon, on va arrêter là. C'était donc Redem Project. Donc, sorti en... En 95 sur... j'étais pas loin, j'avais raison, 93 pour le 2. Donc voilà. Voilà, on retourne au niveau principal. Donc voilà, c'était la compilation donc The Redden Project, reniant le 1 et le 2. D'ailleurs, il me semble qu'il doit en avoir un troisième et un quatrième, je suis pas sûr. Troisième, il me semble que s'il doit en avoir un troisième.
Et donc c'est des sous-immeubles plutôt sympas d'ailleurs, c'est petit en fait. Copyright, Seibu, qui est... oh, donc, c'est l'arcade de ça. Donc en plus les intros là, avec en image synthèse, elles sont vraiment pas mal quoi, pour l'époque. C'est, bon, c'est du PlayStation, on dirait du Ace Combat, mais bon. Hein. En tout cas, moi j'ai bien aimé. C'est des choses de mal, donc si vous pouvez jouer, lancez-les, donc trouvez-les. Ah non, c'est en fait c'est Raiden et Raiden 2 en fait, non, bah je dis n'importe quoi, donc Raiden Project en fait, je crois que c'est le même jeu. Donc ouais, donc c'est juste des variantes du même jeu qui sont introuvables. D'accord, donc parce que longtemps que Raiden et Raiden 2 sont trouvables sur sur Mail. Ouais, donc ce playshoot vraiment sympa, j'ai vraiment surtout ça adoré le deuxième. C'est quoi une machin, on dirait un pingouin. J'ai même pas fait gaffe, ouais. On vient de sortir du petit pingouin, l'icône. Donc ouais, c'est... Je suis vraiment surpris, ouais, c'est vraiment des shoots. Je connaissais pas, enfin je connaissais le nom, j'avais jamais porté attention. Là je me suis dit, tiens, je vais lancer le disque comme je l'ai. Et j'ai vraiment adoré, donc je vous les conseille, hein, ça a l'air d'être vraiment de... Pour ceux... S'il y en a qui adorent les shoots em up, je vous conseille ceux-là, quoi. Mais bon, ils doivent être connus, il me semble que Raiden c'est connu, quoi. Même si pour moi, quand on me dit j'ai vidéo Raiden, je pense à Mortal Kombat. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, allez bye, à plus.